Moi, je m'appelle Jacques Barrault, je suis directeur général de Grand Sail, donc, qui est une société qui fabrique des cafés et des chocolats à Morlaix. La genèse de Grand Sail vient du fait que déjà, en venant du maritime, on souhaitait développer une société qui soit en lien avec le maritime. On en est en tout cas vite venu à l'idée de développer un moyen de transport décarboné, ce circuit maritime qui consiste à exporter des vins à New York, de descendre dans la zone donc Amérique centrale Caraïbes pour y charger des cafés verts et principalement du cacao et de revenir à Morlaix. Ça a été cette succession de réflexions qui s'est faite progressivement et qui a finalement fini par bâtir le projet Grand Sail. Donc on a démarré avec les cafés en 2013, les chocolats en 2016 et donc la société s'étant correctement développé, donc ça nous a permis de démarrer la construction du voilier fin 2018. On voulait au début rester maître du design du premier voilier, donc on a conçu notre propre bureau d'études. Et donc à l'occasion, on a embauché Clément David, qui est l'architecte qui a finalement conçu le premier voilier. C'est vrai que Morlaix est rapidement devenu une évidence pour nous. Il y avait déjà ce local dans lequel on est aujourd'hui, au pied de l'écluse à Morlaix, et qui est, je crois, à 5 mètres en fait, du futur quai de notre navire. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Morlaix a une histoire maritime qui est quand même assez extrêmement intéressante, avec la manufacture qui n'est pas très loin, où à l'époque, il y avait quand même des voiliers au cargo, au sens réel, hein, qui venaient pour y décharger leur cargaison. Donc, ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui au travers du projet Grand Sail, c'est quelque part une remodernisation de ce qui se faisait déjà il y a quand même un bon paquet d'années, quoi. Et notre finalité consiste à bâtir finalement des deux côtés de l'Atlantique, donc un réseau de transformation, donc de torréfaction et de chocolaterie, et de connecter tout ça à une flotte de voiliers cargo de taille croissante, et dans lequel il n'y aura toujours que des produits Grand Sail. Ça, on y tient également absolument. Le bleu ciel, parce que c'est pour moi un vecteur un peu de liberté. J'aime bien aussi ce qui vole, les avions en général, et le ciel m'a toujours fait un peu rêver. L'odeur des oignons qu'on fait revenir sur la poêle avant d'y rajouter toute la suite. Quelque chose de top, ça. L'eau, tout simplement. J'aime bien l'eau en général et l'aritime, évidemment. Le toucher de l'eau quand on va plonger. Voilà. Dire Straits, quand même. Voilà. Et un goût, un bon Bourgogne, un bon, vraiment bon. On ne peut pas en boire tous les jours, hein. C'est quand même les bons Bourgognes, c'est quand même quelque chose.